Alors. Bon. Souvenez-vous, on devait aller chercher Sandix de Johnny Hallyday pour qu'il puisse enfin faire son spectacle à la con et dégager le passage pour aller rejoindre Piccolo qui est là-haut. Bah, techniquement, il pourrait se bouger le cul lui aussi, mais bon, ça va. Mais au lieu de ça, on va faire autre chose, on va. Voilà, je propose qu'on fasse autre chose, je propose qu'on aille farmer notre personnage, et ainsi, aller relever le défi de Yamcha. Ça, ça va être marrant. Je crois que là-haut les loups farment un peu mieux. C'est pas une idée que je me fais peut-être. Tiens. Robin. Et bah ça, ça tombe bien. Il y a quand même un truc qui est dérangeant, bien dérangeant avec Yamcha, quoi, c'est qu'il faut à croire qu'on le prend vraiment pour un con, quoi. Je crois qu'au Japon, ils ont sorti des livres de défense, quoi, pour de techniques de défense pour les femmes, où c'est Bulma qui défonce Yamcha, quoi. Enfin, c'est quand même un peu con, quoi, pour arrêter Yamcha, en vrai, il est... En vrai, Yamcha... c'est quand même un guerrier Z. La plus Videl par exemple, elle est pas plus forte que Yamcha, ça aurait été une connerie. D'ailleurs, on l'a un peu remis. Ils ont décidé un peu de remettre les pendules à l'heure dans le dernier chapitre de Dragon Ball Super en lui. En lui faisant quand même combattre un peu parce que. Même les personnages sont en mode, mais en fait il est fort ce gars là aussi, on l'a oublié, mais bordel. Essayer de se battre Yamcha.
Et après, on va continuer les courses à la con. Les girobés. Mais qu'est-ce que c'est que le gorille? Gwen. Karine m'a envoyé pour te donner un petit cadeau. Cette animée te permettant de récupérer ta santé, ton énergie et blablabla. Ok, donc merci. Apparemment, Karine, de là-haut, elle a vu s'il faut ce gosse, il est en train de tabasser les loups, mais les marteaux, lui donner un Senzu, il va se faire mal, ce con. Voilà. On va essayer de grimper le niveau 9. Et ça va là, la barre bleue elle monte encore un peu. Enfin, le niveau 9, vous voyez, je veux dire. Voilà, c'est du training, hein. C'est du training pour affronter Yamcha, hein, s'il vous plaît. Ok, force. PC, d'accord. Pas tenu. Les loups sont des carnivores agressifs et chassons souvent de. C'est marrant. Est-ce que je vais pouvoir analyser les chats? Ah bah dis donc, parfait. Alors, on va voir ce qu'on peut faire contre Yamcha. Là. Allez, la capture corp. La machine. C'est moi le padré. Je dois aller péter la gueule à un adulte.
Ah, je veux bien m'amuser, Gohan. Tu vas perdre. Tiens, tiens. Yolo. Il s'est défoncé. En vrai, je mange quelques cookies et je l'ai. Hein, ça... Voilà, du coup, faut que je récupère la quantité. Donc, je vais les manger. Au dernier moment, j'avale le cimetière et c'est bon. Hein. Les fourmis à volonté, là, c'est bien. Ah, en fait. D'accord. C'est pas grave. Ah ben non, j'avais bouffé. Alors, j'attends... Ouais, tu rentres. Mais ouais, 2 minutes, je suis en pause. Ça ferme la porte, moi là. Voilà. Ouf. Un peu juste que j'avale la version de l'eau avant de perdre. Merde. C'est à ça. C'est à ça. Alors ce qu'on va faire, c'est essayer d'aller farmer un petit niveau de plus et ça devrait suffire. J'ai oublié de l'analyser en plus. Mais quand je vous disais qu'il y a un chat, c'était pas un rigolo. Papa, il tape un grand bilan. Ouais, c'est bien ces petits défis, ça force à farmer. Et que quand t'arrives au boss final avec ta farm moyen, pas trop le rigolo, hein, je te le garantis.
pas oublié de garder. On peut l'avoir, hein. Le problème, c'est que le parchemage de la ville, là, il n'arrive plus assez. Je vais l'analyser, bien sûr, de votre tête, nous dire son niveau. Niveau 12, voilà. Il a 12 ans. Normalement, il devrait pouvoir vaincre Yensha. Salope! On rappelle le point de part, mais j'ai acheté. Allez, ouais, niveau 2, là, ça passe mal. Ouais,
pour moi du gâteau, la gang. Allez, la vie! Aïe! La vieille, qui m'a dégoûté. Donner 99 pour cette plaie du monde. Excuse-moi. C'est bon, là, j'ai là. Yansha était autrefois un célèbre bandit, mais il est devenu un athlète professionnel et un expert en arts martiaux. L'attaque qui les caractérise, les techniques qu'il joue. Il joue au baseball pour les titans. Ok, c'est un parcours des plus critiques. Tu peux te dire ton parcours, mon solo. Allez, entre, allez la triche. Les yeux, beau combat! Bah, sincèrement, oui. Enfin, tu t'es battu contre un gamin de 12 ans, mais beau combat! Ouais, donc ça n'a rien à voir, d'accord. Il m'a même pas donné du farm, pour forêt, c'est une connerie. Pas de rien, donc je pensais que c'était ça, moi, pour tout vous dire. Quoi? Ah, il m'a mis une claque! Ah non, non, je suis arrivé, tu m'as foutu une claque. T'as foutu une claque, la gamme a 8 ans, il est tombé dans les pommes, c'est tout. Il t'a laissé gagner. Qu'est-ce qu'il m'a donné en fait le con là? Ah ouais, il m'a juste donné une merde. Ok. Et bah après, ça c'est fait le con. Oh, je rappelle qu'au départ on devait aller acheter un beat de Johnny pour que Satan fasse sa parade. Il n'a même pas donné l'identité de Yansha, comment il s'est fait que ce défi à la contre. Le Vix prend
là. Alors, on va le Dix. Ah bah c'est en haut. Et où, canard? Avez-vous la chanson Les yeux du lion de Johnny Hallyday? De Johnny Hallyday? Quoi, vous voudrez un truc pareil? C'est une horreur, enfin... je ne l'ai pas, tu devrais aller voir au magasin d'antiquité, $10. Ça va, Léo, espèce de gros élitiste de merde. Ça va, hein. Il a le droit de kiffer Johnny Hallyday, quoi, merde. C'est où? Ah bah c'est là. Vous avez les Dix de Johnny Hallyday? Quelle coïncidence! J'allais justement jeter un tas de vieux Dix dont personne ne veut. Attends une seconde. Ah voilà! Les yeux du lion de Johnny Hallyday. Je te l'offre, de toute façon, je ne vois pas qui accepterait de payer pour l'avoir. Mais dis donc. Ça va, et oh, même mort, ils vont encore des millions de Dix, hein. Tiens, un chat. Miaou. Ok. Par là, non, attends, c'est en bas. Ouais. Et c'est par là, je pense. Attends. Bon, y a pas un panneau. C'est un chou. Mais quel con! C'est ça, j'ai descendu trop bas. Ok, ça va. Ok, c'est par là. Ouais, c'est ma chanson préférée. Oh yeah, c'est parti pour le défi. Ok, c'est tout. Ah bah d'accord. C'est pas un point. Ah si, il y a un point de sauvegarde. Musique charismatique, c'est plus cool. Comment se passe l'entraînement, Gohan? Tu sais, parfois, tu ne peux pas compter que sur toi-même. Tu dois mettre ta fierté de côté et laisser quelqu'un d'autre s'occuper de certaines choses à ta place. Chaque fois que tu croises un obstacle que tu ne peux pas franchir,
peut-être une bonne idée de laisser quelqu'un d'autre essayer. Le point de sauvegarde ne servant pas seulement à sauvegarder ta partie, tu peux aussi l'utiliser pour changer de personnage. Piccolo est maintenant disponible pour l'utiliser. Pour utiliser Piccolo, marche sur le point de sauvegarde et appuiera à partir de maintenant. Et ouais, dans ce journal là, on joue pas uniquement Gohan, mais beaucoup. Contrairement au premier, là on peut. Déjà qu'il va se dire avec ça. Et on peut changer de personnage. Et on peut incarner Piccolo. Regarde ça, regarde la classe. Tu m'as suivi, citoyen. Ton turban me laisse quelque peu perplexe. Daniel va pouvoir péter cette porte qui lui appartenait et aller voir ce qu'il y a derrière. C'est parti. Il est niveau combien, Piccolo? Ah, niveau 10 direct, d'accord. Ça va peut-être aller péter la gueule à Krillin avec lui, du coup. À pas avoir farmé. Oula. Alors lui... Je vois, lui, il tatane autre chose, hein. Il est pas là pour rigoler. Pour Trunks, avant on peut jouer Trunks, hein, c'est gentil de me spoiler. Et voilà, niveau 1. Rien de tatané, espèce de sale con. Merde. Je suis con. C'est vrai. Pas du tout où je vais, ni pourquoi je vais. Des tigres violets. Pourquoi pas. Putain, mais les vénères, qu'est-ce qu'il est. J'ai trouvé une capsule d'endurance. Là. Niveau 12. Putain, c'est casse-couille là, qu'est-ce qu'il y a? La merde. Ah merde, toute ferme de perdu. Merde. Là, ça va tout mal, là. Ouais. Je suis niveau combien? Oh, je suis de nouveau 10, ça va te faire fouer. Ok, bah, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était un bon épisode, hein. Faut y aller.